Pritini o te whare apora rei. Whātere hauma. Hoherima. Ia orana. Kia orana. Enā koutou. Ka honu. Tātou I te tātou ne wharare whaahua I te ie tuhirapo. Te oa wana I au. E nani ai te oa. O te tomite a maramarama. E, a muhia mai e te moho, te ri tei wahine, ngā tuatāne, a maru wahine, mami a maru. Nani ai tomatou nei oa a mui, te oa nei au e pahiti I mua I o tau, I mua I tautau nei aro, tēnō atu I mua I te aro o te hawhenua, I te mau tatarara a, marito mai te hupa I rua hia, e mātau, no ni ai te ie prou fōwha aroa o I hui te prou no te puha. Je veux tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont contribué à la production de ce rapport, tous les élus membres de la mission qui ont participé aux travaux, Mme Teritei, M. Natua, Mme Mamaru, et les élus non-membres également, lesquels m'ont livré des conseils, des idées, ainsi que toutes les personnes qui ont été auditionnées pour nous aider à travailler sur ce sujet du COPRA. Je veux tout particulièrement remercier la responsable du service des affaires juridiques, du contrôle et de l'évaluation, ainsi que toute son équipe, car sans elle au pluriel, s'il n'y avait que des femmes dans son équipe, nous ne serions jamais arrivés à un tel niveau de réalisation. Donc, Marouma était à tout le monde. Oui, ensemble, nous avons poussé au maximum de nos possibilités, nos réflexions et analyses, afin de vous soumettre les meilleures propositions possibles. Car oui, il s'agit bien de propositions, Monsieur le ministre, Mesdames les ministres, auxquelles vous apporterez et vous transmettrez nos voeux au président du pays, auxquels vous apporterez les réponses que vous jugerez les plus opportunes. Trois éléments ont déclenché la création de la mission d'information. L'examen le 10 août 2018 de la situation financière de la Caisse de soutien des prix du COPRA, la publication du rapport 2017 de la Chambre territoriale des comptes et le fait de conventions échues au terme d'une durée de 50 ans. Comprendre le fonctionnement du dispositif de soutien des prix du COPRA et optimiser l'emploi des ressources financières, tels sont les thèmes traités dans la première partie du rapport. La deuxième partie propose de nouvelles voies de développement de la filière cocotier. La mission d'information met en avant 47 préconisations. Par esprit de synthèse, je ne vous les présenterai pas toutes. Je vous laisserai le soin de les consulter dans le rapport. S'agissant du déroulement des travaux, nous avons commencé par l'analyse des informations et de toutes les données recueillies depuis fin octobre 2018. Le 14 décembre 2018, nous avons effectué une visite sur le site de l'URI de Traité. Les auditions ciblées ont été réalisées du 18 au 22 février et le 28 février 2019. Et les 26 et 27 février 2019, nous nous sommes rendus à Rairoa pour rencontrer des copraculteurs, des mandataires, visiter des cocoteries et assister à une pesée. Toutes les auditions et ce déplacement à Rairoa ont été très enrichissants
pour les membres de la mission d'information. Mesdames et messieurs, mon exposé s'effectuera en trois points, en trois parties. Je tâcherai d'être le plus concis et le plus clair possible. Dans un premier temps, je vous présenterai le dispositif dans toute sa dimension, avec toutes les parties prenantes, les flux financiers et les interactions. Cette phase vous permettra d'avoir une vue d'ensemble et de porter votre attention sur tous les points critiques. C'est sur ces points critiques que portera la deuxième partie de mon exposé, qui intègre de facto les solutions ciblées qui vous sont proposées. Nous en avons identifié trois. Il y a trois points critiques dans ce dispositif. Nous traiterons de la caisse de soutien des prix du Copra, bien entendu, la CSPC, de la société Ultimate Trading, bien entendu, et de la situation des copraculteurs, qui, je dois le rappeler, sont au centre de nos préoccupations. Pour cela, nous nous appuierons sur un premier schéma. Enfin, dans une dernière partie, je vous présenterai la proposition de la mission d'information intégrant une nouvelle stratégie de la filière cocotier, laquelle sera illustrée par un deuxième schéma. S'agissant de cette nouvelle stratégie, je prendrai un moment spécifique pour la sous-filière énergie. Je vous invite à consulter le premier schéma relatif aux flux financiers. Sur votre gauche, en haut, vous voyez le pays et le montant de 2,206 milliards. 2,206 milliards, c'est le montant que le pays injecte dans le dispositif Copra tous les ans. Je précise que les chiffres qui sont sur ce schéma sont une moyenne qui a été réalisée sur une période de 2015 à 2017. Ce sont des grandes masses. C'est pour que vous ayez en tête le dispositif. Donc, en haut à gauche, vous avez le pays avec 2,200 milliards. Le pays verse 1,600 milliards à la CSPC, à la Caisse de soutien des prix du Copra, qui est un établissement public administratif. Sur ces 2,200 milliards, il y a également 247 millions qui sont versés aux armateurs pour rapatrier le fret, le copra des îles vers Tahiti. Il y a 10 armateurs qui travaillent dans le dispositif du copra. Sur ces 2,206 milliards, il y a également 259 millions qui ont été injectés par le pays pour des CAE. À peu près 200 CAE qui ont travaillé dans les copra, enfin dans le copra, c'est le montant annuel pour cette ligne de dépenses. Et enfin, il ne faut pas oublier que le pays injecte également 100 millions de subventions au niveau agricole pour les bagues, pour la fertilisation des sols, etc. Donc 2,206 milliards, c'est ce que vous devez retenir comme premier montant. C'est ce que le pays injecte dans le dispositif Copra tous les ans. Sur les 1,6 milliard qui sont versés à la CSPC, à la Caisse de soutien des prix du Copra, celle-ci verse à l'Ultimate Trading 1,380 milliards par année. Donc, l'Ultimate Trading est au centre du schéma. J'ai mis quelques éléments sur l'Ultimate Trading. Faut savoir que c'est une société anonyme, c'est une société privée, avec un chiffre d'affaires annuel moyen d'1,135 milliard, et qui est détenu à 99,95% par le pays. 99,95% du capital est détenu par le pays.
et qui se compose de 32 agents. Ensuite, lorsque vous descendez le schéma, à partir du milieu, vous avez 1,863 milliard qui est versé au mandataire pour payer le COPRA. Au passage, les mandataires ont leur pourcentage égal à 99 millions à peu près, et c'est 1,764 milliard qui est distribué aux copraculteurs. En haut sur la droite, vous avez des flèches vertes. C'est ce qui rentre dans les comptes de l'huile de Tahiti. Tout en haut, vous avez 884 millions. C'est ce que l'huile de Tahiti exporte en huile brute, en moyenne 6 000 tonnes par an, avec un cours mondial qui a chuté dernièrement, puisqu'en juin 2019, le cours de l'huile brute est tombé à 78 francs. Ce que l'huile de Tahiti exporte, eh bien, rapporte à cette entreprise 884 millions. C'est pour ça que la flèche est orientée vers l'huilerie. Deuxième revenu de l'huilerie dans le chiffre d'affaires, c'est l'huile raffinée. L'huilerie produit par an en moyenne 300 tonnes d'huile raffinée et ça rapporte à l'entreprise 137 millions. Ensuite, on a la vente de tourteaux. Donc, tous les ans, la production est de 3 000 tonnes de tourteaux en moyenne. Au 1er janvier 2019, sachez qu'un sac de 25 kg de tourteaux est vendu 368 francs, toutes taxes comprises, aux éleveurs locaux, en priorité, c'est-à-dire 14 francs le kilo. Et il faut également savoir que lorsque la production de tourteaux est vendue en priorité à nos éleveurs et qu'il y en reste, c'est ce reste qu'on exporte. Et cette exportation de tourteaux rapporte 6 millions de francs à l'huile de Tahiti. Ensuite, nous avons une autre dépense de l'huile de Tahiti qui concerne les coûts d'intervention. 631 millions. Qu'est-ce que c'est que ces coûts d'intervention? Eh bien, c'est tout simplement la masse salariale. Le fret international, 114 millions, c'est important de le noter. Pour exporter l'huile brute de Tahiti vers Dunkerque, eh bien, ça coûte 114 millions. Ce prix a été multiplié par 4 depuis 2010, depuis qu'on ne peut plus exporter notre huile brute avec des vraquiers. Il y avait 4 vraquiers à l'époque. Aujourd'hui, c'est uniquement un transporteur maritime qui le fait avec des citernes de 22 tonnes. Et depuis ce jour-là, depuis cette année, eh bien, le coût a augmenté, multiplié par 4 fois, par 4, et on est à 114 millions. Voilà. Lorsque vous redescendez sur les mandataires, vous avez des points d'interrogation. Effectivement, parce qu'on ne sait pas vraiment combien, quels sont le niveau de revenus qui sont attribués aux copraculteurs et aux propriétaires fonciers. C'est pour ça qu'il y a des points d'interrogation. Voilà. Sur ce schéma, vous allez voir 3 points d'exclamation. Ce sont les points critiques dont je vous ai parlé. Le premier point d'exclamation, c'est sur la CSPC. Un point rouge. Ensuite, sur l'huile de Tahiti. Et le troisième point, c'est les copraculteurs. Une fois que vous arrivez à bien comprendre ce schéma, en 5 minutes, vous comprenez tout ce qui se passe dans le dispositif du COPRA. Vous avez toutes les interactions et tous les flux financiers et tous les enjeux. Donc la CSPC verse une compensation financière d'1,380 milliards à l'huile de Tahiti. Et cette compensation financière permet à l'huile de Tahiti d'acheter tout le copra produit dans tout le pays, 12 000 tonnes, à un prix fixé par le Conseil des ministres, c'est-à-dire à 140 francs le kilo pour la première qualité et à 55 francs et 65 francs le kilo pour la deuxième qualité,
65 francs pour les maquis. Maintenant, je viens au point critique. Quels sont les points critiques du dispositif? Il y en a trois principaux. Traitons celui de la CSPC d'abord, la Caisse de soutien des pays au COPRA. Aucune disposition statutaire ou législative ne prévoit qu'un EPA, un établissement public administratif, puisse attribuer une subvention à une société privée. Il n'y a pas de texte pour ça. Sauf dans le cas d'une convention de mandat, avec avis conforme du comptable public, en sachant que celle-ci, c'est-à-dire le mandat, ne résout pas toutes les difficultés juridiques. Après trois prorogations depuis 2017, ça fait trois fois qu'on prolonge cette convention de mandat. La convention entre la CSPC et l'Union Treaty arrive à échéance au 31 décembre 2019, dans quelques jours. À toute fin de sécuriser le renouvellement des relations conventionnelles avec l'Union Treaty, la mission d'information préconise 1. De définir dans une loi de pays la mission de service public d'obligation d'achat du COPRA sur la base d'un tarif réglementé et prévoir les modalités de compensation financière. Deuxièmement, la mission préconise de dissoudre la CSPC. Et troisièmement, de créer un compte d'affectation spécial dédié à la filière cocotier. Voyons maintenant le cas de l'Union Treaty. Les obligations de service public qui lui sont assignées ne relèvent pas de ses missions. Je vous l'ai dit tantôt, l'Union Treaty est une société privée. De plus, le fait de payer directement les copraculteurs au lieu et place de la CSPC va à l'encontre du respect de la réglementation comptable et budgétaire. Pour sécuriser le cadre réglementaire des tâches que le pays entend confier à l'Union Treaty, mais également son statut, et pour sécuriser les acteurs de la chaîne de dépenses, la mission d'information préconise de transformer les statuts de l'Union Treaty en société publique locale, SPL, compte tenu de son actionnariat. Je vous l'ai dit, c'est un actionnariat qui est détenu à 99,95% par le pays, donc par une force publique. Donc il est normal et plus sécurisant que l'HDT devienne une société publique locale. Sous l'angle économique, toujours sur l'Union Treaty, c'est une entreprise structurellement déficitaire, non rentable, sans la compensation financière du pays. Exception faite de l'année 2016, avec des cours mondiaux de l'huile brute exceptionnellement élevés, on était à 161 francs le kilo de l'huile brute, contre, je le rappelle, 68 francs depuis juin 2019. Les dotations versées, c'est-à-dire les subventions du pays, sont systématiquement supérieures au chiffre d'affaires. Sur votre schéma, vous avez le chiffre d'affaires de l'Union Treaty, 1,135 milliard. Le versement du pays, en moyenne, 1,380 milliard. Donc, les versements, la subvention est toujours supérieure au chiffre d'affaires. L'entreprise n'est pas rentable. On constate, d'autre part, un circuit d'exploitation très fragile, avec un acheteur unique. Il y a un seul acheteur, la société d'Audruy. Il y a Dunkerque. Le jour où d'Audruy dit « je ne veux plus de votre copra », terminé. Et une seule compagnie de transport. Il y a une seule compagnie qui prend notre copra, notre huile brute, et qui l'amène jusqu'à Dunkerque. Le jour où cette compagnie nous dit « c'est fini, j'y vais plus », qu'est-ce qu'on fait? Voilà. D'autre part, la stratégie commerciale de l'Union Treaty est axée principalement
sur l'export de l'huile brute, 6 000 tonnes d'huile brute, 300 tonnes d'huile raffinée. Le cours mondial de l'huile brute, je vous ai parlé de 68 francs en juin, et alors que l'huile raffinée est à 397 francs le kilo. Donc, on exporte 6 000 tonnes d'huile brute à 67 francs le kilo, et on exporte et on vend 300 tonnes d'huile raffinée à 397 francs le kilo. Atato Ferruri. Afin de consolider la situation économique de l'huile Tahiti, la mission d'information préconise de réaliser un audit au sein de l'huile Tahiti sur la vétusté des machines, sur l'organisation du travail, pour améliorer sa performance économique. Abordons à présent la situation de nos copraculteurs. Tato Mufayapuha, qui, dois-je encore le rappeler, sont au cœur de nos préoccupations. Le premier élément troublant est le différentiel dans le recensement entre l'huile Tahiti, qui comptabilise 9 000 copraculteurs, et la direction de l'agriculture, qui en dénombre 2 000. Et bien, la mission d'information, pour clarifier cette situation, préconise de préciser sur les bons individuels de l'huile Tahiti l'identité du copraculteur, les propriétaires fonciers et la personne qui effectue la pesée. Aujourd'hui, sur le bon de livraison, nous avons un seul nom, et en fait, c'est la personne qui vient peser le copra. Il peut y avoir un copraculteur qui demande un jour à un de ses enfants de venir peser. Donc, sur le bon, on va noter le nom de l'enfant. Une autre fois, il va demander à son tour. Eh bien, c'est un autre nom qu'on va mettre sur le bon, etc., etc. Et lorsque l'huilerie de Tahiti fait le décompte, évidemment, elle compte le nombre de noms. C'est pour ça qu'avec cette préconisation-là, en mettant la personne qui vient peser, la personne qui est copraculteur et la personne qui est propriétaire foncier, c'est clair. En une tournée, on aura clarifié la situation, on sait exactement combien de copraculteurs il y a et combien de propriétaires fonciers il y a. C'est ça l'objectif. Un aspect plus préoccupant touche à l'absence de statut du copraculteur, à distinguer du vendeur de copra, ainsi que le lien de subordination avec les propriétaires des cocoteraies, avec des relations individuelles de travail illégales. La tradition, il y a des tabous, mais lorsque la tradition va à l'encontre des intérêts des populations, dans le but de protéger les copraculteurs, la mission d'information préconise de régulariser les situations, les relations professionnelles entre les copraculteurs et les propriétaires fonciers après recensement précis en prévoyant un contrat de métayage. Ces deux préconisations devraient contribuer à lever un sérieux doute sur le revenu mensuel moyen de 14 334 francs attribué à un copraculteur, tel que relevé dans la Chambre territoriale des comptes dans son rapport de 2017. La Chambre territoriale des comptes dit qu'un copraculteur vient à un revenu mensuel de 14 334 francs. Voilà ce que la Chambre territoriale des comptes dit. Donc, première préconisation, il faut qu'on recense tout le monde, une fois pour toutes, comme il faut. Et deuxièmement, il faut clarifier les choses avec des contrats de métayage. Mesdames, Messieurs, durant les 5 dernières décennies, puisque ce dispositif a 50 ans, le pays a axé ses efforts principalement sur le copra.
Cette politique a permis à plusieurs générations de nos compatriotes des îles de bénéficier de revenus en échange d'un travail fourni avec dignité. Il faut s'en réjouir. Néanmoins, les constats et les analyses que je viens de vous délivrer démontrent que nous sommes en présence d'un dispositif à bout de souffle. Il est temps d'envisager une nouvelle stratégie de développement, non plus uniquement basée sur le copra, mais sur toute la filière cocotier, dans toute sa noble dimension. Je vous invite à consulter le deuxième schéma, intitulé « Les modalités d'organisation et de gestion de la filière cocotier ». C'est le cœur stratégique du rapport. La mission d'information préconise de créer un service de projet dédié aux cocotiers servant d'unique référent aux acteurs locaux et organismes extérieurs. Je vous demande de consulter le deuxième schéma. Comme vous voyez, d'emblée, vous distinguez une partie supérieure en bleu clair et une partie inférieure, en vert clair. La partie supérieure dresse les contours de l'implication de la force publique. En haut, c'est le pays, c'est les collectivités, c'est la force publique. En bas, vous avez l'implication du privé. Ce schéma vous explique que c'est la force publique qui doit impulser l'émergence de toutes les nouvelles sous-filières qui sont en dessous. Il faut l'implication de la force publique pour développer toutes ces sous-filières. Je vous laisse le soin de consulter vous-même dans le rapport toutes les sous-filières. Vous verrez vraiment des données intéressantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce service ? Ce service administratif dédié au pilotage et à la gestion de la filière cocotier fonctionnera en régie pays et sera sous la tutelle directe du président du pays. En tout cas, c'est une proposition. Ce service sera défini en tant qu'interlocuteur privilégié dans le cadre de conclusion de conventions de partenariats locaux. Est-ce que vous voyez avec les bulles bleues, vous avez les partenariats locaux avec les Tawana, avec l'UNC du Pacifique, et les partenariats internationaux, avec les partenariats nationaux, avec le CIRAD, l'ADEME, l'AFD, et internationaux, avec le COGENT et l'Union européenne. Tous ces organismes-là sont à la pointe de tout ce qui se passe au niveau des filières cocotiers. Il faut travailler et être en partenariat avec ces organismes qui sont à la pointe de la technologie et qui sont à même de pouvoir nous conseiller. Ce service apportera un soutien technique aux communes en matière de biocarburant dans le cadre de l'exercice de leurs compétences électricité, prévu à l'article 45 de la loi statutaire. J'y reviendrai pour évoquer la sous-filière énergie. Vous avez sur ce schéma, donc, l'article 45 qui stipule les compétences des communes en matière d'électricité. De l'autre côté, vous avez l'UNI de Tahiti, qui a été transformé en SPL, en Société Publique Locale, et qui sera donc sous la tutelle de ce service. Ensuite, vous avez en vert un compte d'affectation spécial dédié à la filière cocotier. C'est ce compte d'affectation sociale qui va remplacer la CSPC. Mais là, nous serons dans les règles. Alors, qu'est-ce que va faire ce service administratif ?
Je viens de le dire, il apportera un soutien aux communes. Il exercera également un contrôle administratif sur l'île de Tahiti, je viens de le dire également, et notamment au suivi de la réalisation des objectifs de performance. Je vous ai dit tantôt qu'il fallait des objectifs de performance pour l'île de Tahiti. C'est ce service qui va piloter. En réorientant ses activités, je vous ai dit tout le temps tantôt qu'il y avait deux axes, un axe sur l'huile brute avec un cours bas pour 6000 tonnes et un axe sur l'huile raffinée qui a presque 400 francs le kilo et on vend que 300 tonnes par an. Donc réorienter ses activités vers la production d'huile raffinée labellisée en vue de diminuer le niveau du soutien public à réaffecter au soutien d'autres activités à plus forte plus-value relevant de la filière cocotier. Il sera en charge de la conception, de la mise en œuvre, du contrôle et de l'évaluation du plan de valorisation de la filière cocotier, de la gestion technique, administrative et financière de la filière COPRA, l'ancien CSPC qui devient le compte d'affectation spéciale, de la gestion de la régénération de la cocoterie, de la diversification de la filière cocotier, de la formation des métiers de la filière, de la production d'études économiques sur la diversification des sous-filières, de la centralisation et gestion de toutes les aides économiques. Je vous invite à consulter le rapport sur les sous-filières. Sinon, on sera là demain matin. Sous-filières horticoles, animales, pharmacopées, cosmétiques, construction. Vous bénéficierez d'un état des lieux précis dans le rapport et de toutes les possibilités vers lesquelles on doit tendre, vers lesquelles nous devons de développer pour nos futures générations. Ayonatra, une vierge, Rairo, une vierge extra vierge à la vanille, Nota, Fraota, Coco, Nota. Eredmer Néné. Avant de conclure, j'en finis là, donnez-moi encore juste 3 minutes d'attention afin que je vous parle d'une sous-filière qui va bien au-delà d'un enjeu économique. C'est celle de l'énergie et du biocarburant. Malgré ce que beaucoup pensent, la production et l'utilisation de biocarburants dans nos îles est non seulement nécessaire, mais viable et crédible. Nécessaire au vu des enjeux liés aux augmentations futures du coût du pétrole, voire aux pénuries de pétrole. Nécessaire au vu des enjeux environnementaux liés au réchauffement de la planète. Nécessaire parce que nous devons, lorsque nous prenons une décision politique, pensez non plus à la deuxième ou la troisième génération. Lorsque nous prenons une décision politique, nous devons penser à la septième, à la huitième génération à venir. Oui, la production et l'utilisation de biocarburants, c'est-à-dire utiliser l'huile brute de copra pour faire fonctionner les centrales thermiques pour produire de l'énergie, de l'électricité dans nos îles, il faut qu'on s'y attache. Il faut qu'on y aille. Parce que la production et l'utilisation de biocarburants dans nos îles est viable et crédible.
Au vu des analyses et simulations réalisées par la mission d'information, avec l'exemple de l'île de Tha, je vous invite à aller lire dans le rapport les analyses qu'on a faites sur l'île de Tha. C'est magnifique. C'est magnifique. Et vous allez voir les tarifs et tia tero du gasoil. Par contre, et pour faire en sorte que l'île reste autonome au niveau énergétique. C'est magnifique. Je vous invite à aller consulter ça dans le rapport. On a hopé à payer. Et Pahitei, Tehi Opohia, était Tomite, Hamaramama. Et Pahitei, Pahoru Matheti Tona, Tona Matheti. Et Wafouf A, et Ravarhei, Mohuil Adir et Dodimomutu, Meratomai Tehi. Fanhor a puha. Teo te ye pei. E pei. Pahutu puha. Pahuru to no matiti. Wafan o te mohu a tere to te momutu. Rira. Hamaru ta to te momitu. Tata to momitu te fan hoi te tapura hipa. Ya fan o. Tata to mohu a tere to te momutu. Maru mo te momitu. Te yera. Te fifine te ye pai. Pati fatir i. Apop ori i. Afafari i. Te himene te riu. E turu rawea. Atei. Tata. Tata wahau. Tata. Tata no. Te piti o te rawea. Tata i. Tata i te pe. Ei, ei, ei. Parimi te pe. Tata i wahau. Te u mene hei, paparimi ne mua. Tata i wahai mua. Oro e te mea nene hei, e marai tatou. E te toru. Fapi. Fapi. Hamani toi pai api. Te u o te i pai api. Pahi. Haari. Pahi fahutu te tumuhari. Tara te pahi api. Kanen he. Tatoun mouhu la tere e orane iro tumu mutu. E whanoa. E yarheia. E te fopa. Tara toi nene whanoa. Iro toi te imo matenia haramai nei. Te whaia. E titohia nei. Te e tomite. Te e tomite o tau. Fahiti atu i o tau, te whaia o iho i a whan o rahi whahaua, tatou mo huira atirai tō te mo mutu. No ira hoa here ma, aturu mai te i e pū, e pū whahotura i te ari, i te tumuhari, i roto i te raura o tana mo mai te ai. Marlut wharora mai, iorana.